Mademoiselle Mangin, sachez bien que cette jeune fille a été élevée aux Indes comme une princesse. Il faudra faire en sorte qu'elle reçoive ici aussi un traitement de faveur. N'ayez aucune inquiétude, Monsieur Barrault. Vous savez, depuis de nombreuses années, nous avons l'habitude d'accueillir dans notre pension des jeunes filles de l'aristocratie et nous recevons fréquemment des lettres de leurs parents qui nous expriment leurs plus vifs remerciements. Ce que vous me dites me rassure, car j'ai recommandé personnellement votre pension à son père. Ah, je dois aussi vous faire part d'une requête supplémentaire concernant l'accueil de votre futur pensionnaire. Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour la satisfaire. Ma demande est donc la suivante. Nous souhaitons disposer d'un emplacement réservé à l'attelage de la jeune fille. Oh, elle dispose d'un attelage particulier? Oui, un attelage tiré par un poney. Je sais bien qu'il s'agit là d'un riche monsieur venant des Indes, mais un père qui met à la disposition de son enfant un attelage personnel, c'est bien la première fois que je vois cela. Mais nous avons une écurie et vous pourrez en disposer. Je vous remercie. Nous avons également engagé un cocher. Mais maintenant, pourriez-vous me faire visiter la chambre que vous avez préparée pour la demoiselle? Comme vous pouvez le constater, nous venons de faire retapisser la chambre pour son arrivée. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est très bien. Amélia, avez-vous terminé de préparer la chambre? Oui, j'ai fini, ma chère sœur. Eh bien, nous allons la voir maintenant. Voici Mariette, la femme de chambre personnelle que vous avez demandée. Très bien. Cette Mariette me semble en effet parfaitement stylée. Oh, mais ce tableau ne va pas du tout. S'il venait à tomber sur la tête de la jeune fille pendant qu'elle dort, ce serait une catastrophe. Il faut absolument le déplacer. De toute façon, il me semble qu'un dessin représentant des fleurs conviendrait mieux que celui-ci. Amélia, faites donc. Oui, ma chère sœur, puisque vous le souhaitez, je vais le changer immédiatement. Permettez-moi de vous dire que ce lit me semble insuffisamment confortable pour assurer un repos convenable à cette demoiselle. Ah bon? Je vais le changer tout de suite. Amélia. Oh, ne vous inquiétez pas. Son père m'a confié la charge de vous régler toutes les dépenses occasionnées pour son installation. Vous savez, mademoiselle Mangin, le père de cette princesse, possède une fortune considérable aux Indes. Il a l'habitude de ne mettre aucune limite aux dépenses de sa fille unique. Il l'aime tellement. Et où se trouve actuellement cette demoiselle et son père? Ils ont pris le bateau des Indes et sont arrivés à Londres depuis 3 jours. Ils occupent actuellement à l'hôtel Savoy une suite qu'ils ont réservée. Vous dites l'hôtel Savoy? Oui, oui, mais ma chère sœur, vous savez bien l'hôtel Savoy. C'est dans cet hôtel que descendent les rois et les gens les plus riches du monde. Johann Strauss en personne, il dirige l'orchestre et tout Londres en parle en ce moment. Voyons. Sarah, tu étais là, ma chérie. Oui. Si tu restes sur cette terrasse où il fait si froid, tu risques de tomber malade. Préparons-nous pour sortir, hein? Papa, que tes mains sont chaudes. Il va falloir que tu t'habitues à ce froid, ma chérie. Oui, je m'y habituerai, papa. Sarah! Sarah! Hein? J'imaginais en lisant mon livre qui racontait des histoires sur Londres. Tiens, regarde, à gauche, on voit l'abbaye de Westminster. Je vois que tu connais déjà tout Londres grâce au livre que tu as lu avant de venir. Oh, je suis désolée, mademoiselle Mangin. Vous auriez dû m'appeler, je serais venue vous voir tout de suite dans votre bureau. Et James, où est-il? Oh, James? James? Oh, c'est vous. Bonjour, mademoiselle la directrice. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre pension une nouvelle élève venant d'une famille très importante.
Nous devons tous veiller spécialement sur elle. Elle doit faire l'objet d'égards particuliers. Si elle digérait mal, par exemple, comme vous êtes le cuisinier, James, je serais obligé de vous mettre à la porte. Bien, mademoiselle. Voilà, c'est ici, Sarah, nous y sommes. La mer. La mer. C'est beau. C'est beau. L'argent. L'argent. Papa, est-ce que je peux frapper moi-même à la porte? Oui, bien sûr. Vas-y, n'aie pas peur. Oh, bonjour, monsieur Crewe. Bonjour, mademoiselle Crewe. Je suis heureuse de vous voir. Nous vous attendions avec impatience. Je vous en prie, entrez. Je m'appelle Amélia Mangin. Je suis la sœur de mademoiselle Mangin, la directrice de cette école, et j'ai le plaisir d'être également professeure de géographie. Ravie de vous connaître. Je vais aller prévenir mademoiselle la directrice de votre arrivée. Si vous voulez vous asseoir et patienter un instant. Sarah, elle a l'air d'être très gentille, cette mademoiselle Amélia, tu ne trouves pas? Si, je trouve qu'elle a l'air très gentille. Et la directrice, je me demande comment elle peut être, tu sais, toi, papa? Oh, à vrai dire, je te le dirai quand je l'aurai rencontrée. Tu vois, moi, je l'imagine avec des lunettes et un chignon sur la tête. Et puis, elle est sûrement très grande et mince, et elle doit avoir un air sévère qui fait un petit peu peur. Quelle idée, pourquoi dis-tu cela, Sarah? C'est parce que mademoiselle Meredith, ma préceptrice, quand nous habitions en Inde, était comme ça, et je crois que toutes les bonnes maîtresses doivent avoir à peu près le même air. Au fait, Sarah, n'oublie pas de dire bonjour poliment à mademoiselle Mangin. Oui, bien sûr, papa. Je vous ai fait attendre, excusez-moi, je me présente, mademoiselle Mangin, la directrice. Enchantée de faire votre connaissance, voici ma fille Sarah. Sarah? Oh, bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Sarah Crewe. Je suis enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle Crewe, vous me semblez être une charmante enfant. Gentille, bien élevée et probablement très intelligente. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans notre pension. Je vous remercie d'avoir accepté de satisfaire toutes nos exigences. Mais ce n'est rien. Comme c'est courageux à vous, monsieur Crewe, d'avoir pris la décision de mettre votre petite Sarah dans notre pension. Je vous en félicite. Oui. En effet, me séparer de ma petite Sarah n'est pas facile pour moi. Cet enfant a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. En effet. On m'a déjà appris cette triste histoire. Pour Sarah, ce sera aussi un grand changement. Elle aura peut-être un peu de mal à s'habituer, mais j'ai pensé qu'il était préférable pour elle qu'elle poursuive ses études dans une excellente école plutôt que de rester avec moi aux Indes. Je vous comprends. Tous les parents pensent au bonheur et à l'avenir de leurs enfants au prix de gros sacrifices, parfois. Nous n'accueillons dans notre école que des enfants de la haute société. Nous en avons même qui viennent des États-Unis. Nous bénéficions d'une grande expérience dans l'instruction et l'apprentissage des bonnes manières. Tu es contente, Sarah? Oui. Je crois que je vais me plaire ici. Eh bien, maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer les classes et la chambre de mademoiselle Sarah. My father, mon père. My father, mon père. My sister, ma sœur. My sister, ma sœur. Très bien. Encore une fois. My sister, ma sœur. My mother, ma mère. My mother, ma mère. Entrez.
encore une fois, my brother, mon frère. My brother, mon frère. Dans notre établissement, nous insistons beaucoup sur l'enseignement du français. Ah, très bien. Voilà. Et suivez-moi. My father, mon père. My father, mon père. My brother, mon frère. My brother, mon frère. My mother, ma mère. My mother, ma mère. Ici, ce sont les chambres occupées par les élèves. Ah, bien. Mais pour Mademoiselle Sarah, nous avons spécialement préparé un appartement au deuxième étage. Suivez-moi, je vous prie. Ici se trouve ma propre chambre. La porte au fond est celle de l'appartement de Mademoiselle Sarah. Je pourrais d'autant mieux veiller sur votre enfant. Nous allons voir ton appartement, ma petite Sarah. C'est ici. Entrez, je vous en prie. Il y a deux pièces contiguës, celle du fond et la chambre à coucher. Et si vous voulez entrer... Je vous présente Mariette, la femme de chambre personnelle de mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ravi de vous connaître. Sarah? Bonjour, Mariette. Mariette, avez-vous fini d'arranger la chambre? Oui, j'ai fini, mademoiselle la directrice. Bon, très bien. Merci, Mariette. Cette chambre me paraît tout à fait confortable. Ah, je vous remercie, monsieur Crowe. Je suis ravie qu'elle vous convienne. Mais cependant, pour une jeune fille comme Sarah, il me semble qu'il manque tout de même un certain nombre de choses. Excusez-moi. Je crains qu'il n'y ait pas assez de meubles dans cette pièce. Mais votre fille a donc tant apporté de choses et d'effets personnels? Vous savez, Sarah est née aux Indes. Elle a grandi sans avoir jamais connu le froid. Par conséquent, nous avons complété sa garde-robe à Londres. Sarah a maintenant beaucoup d'affaires. Je vous demanderai donc de bien vouloir ajouter quelques meubles. Oh, mais certainement, monsieur Crowe. J'aimerais que vous ajoutiez également une grande bibliothèque. Des livres? Mais nous en avons plein à la bibliothèque de l'école. Non, cela ne lui suffira pas. Ma fille adore lire et elle a apporté beaucoup de livres. Eh bien... Je la surnomme parfois mon petit rat de bibliothèque. Je devrais plutôt dire mon loup, car elle dévore les livres avec un bel appétit. Toutes sortes de livres, même des très gros écrits pour des adultes sur l'histoire ou la poésie. D'ailleurs, si vous estimez que Sarah lit vraiment trop, envoyez-la donc faire une petite promenade avec son poney à Hyde Park ou dans d'autres lieux agréables de Londres. Vous pourrez aussi lui proposer d'aller choisir une nouvelle poupée. J'aimerais que ma fille joue davantage à la poupée, comme la plupart des enfants de son âge. Je lui en ai pourtant déjà offert de nombreuses. Tu sais, papa? Oui, Sarah? Je suis certaine que si j'avais une poupée comme Emily, je jouerais avec elle. Je te l'avais dit quand nous étions aux Indes. Mais je ne comprends pas qui est Emily. En fait, Emily est la poupée que Sarah rêve d'avoir depuis quelques jours. Nous allons donc l'acheter. Mais cette poupée qui n'est pas encore achetée a déjà un nom? Oui, effectivement. Mais vous savez, Emily existe déjà dans la tête de Sarah un peu comme une amie. Eh bien, mes compliments. Votre fille a une imagination très développée. Oh oui, depuis son plus jeune âge, Sarah a toujours fait preuve de tant d'imagination qu'il m'arrive même parfois d'avoir du mal à la suivre. À propos, quand pourrons-nous voir l'attelage du poney? Oh, ne vous inquiétez pas, il doit arriver bientôt. On m'a dit que M. Barrow, votre ami avocat, cherchait dans tout Londres pour trouver un joli poney pour promener votre fille. Ah, je vous remercie. Alors, Sarah, maintenant, il ne te reste plus qu'à trouver un nom pour ton poney. Oui, papa, j'ai déjà trouvé. Mon poney s'appellera Jump. Ah, Jump. Vous voyez, mademoiselle? Je viens pour vous prévenir que le poney et l'attelage sont arrivés. Bon, eh bien, nous allons les faire voir tout de suite à Monsieur Crowe. Le cocher qui avait été engagé n'a pas pu venir. C'est un enfant qui va le remplacer. Mais qu'est-ce que vous dites? Oh.
Pourquoi ton père n'est-il pas là? Ben, on s'excuse, madame, mais mon père, il a eu un accident l'autre jour. Il est blessé, il n'a pas pu venir. Alors moi, je suis venue pour le remplacer. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'engager à sa place. Comment? C'est absurde! Et vous savez, mademoiselle, je conduis les poneys depuis que je suis tout petit. C'est hors de question. Vouloir confier l'attelage d'une demoiselle aussi importante à un enfant de cet âge, c'est de la folie. Ton père ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Excusez-moi, mais si je trouvais pas de travail, mon père, il a dit que comme ma mère, elle était déjà malade... Peu importe. Que se passerait-il s'il arrivait quoi que ce soit à cette jeune fille qui nous a été confiée? Va-t'en. Tu peux rentrer chez toi. Nous allons chercher un autre cocher pour mademoiselle. Oh, papa, s'il te plaît, je suis sûre que ça ira très bien. Mon jump a l'air si calme et si doux. Monsieur Crewe, si je peux me permettre, il me semble qu'un enfant n'est pas capable de conduire un attelage. Mademoiselle Mangin, je vous remercie de vous en inquiéter. Et si cela ne vous ennuie pas, je vais tout de même parler un peu avec ce jeune garçon avant que vous ne le renvoyiez définitivement. Bien, monsieur. C'est à vous de voir. Dis-moi, mon garçon, tu ne nous as pas dit ton nom. Je m'appelle Peter, monsieur. Peter, mais c'est un très joli prénom. Écoute-moi un peu, Peter. Tu sais, c'est normal que la directrice soit inquiète. Elle est responsable de tout ce qui peut arriver ici. Tu comprends ça, Peter? C'est toi qui t'occupes de ce poney. Je te félicite, je le trouve vraiment très bien soigné. Oui. Sais-tu conduire un attelage? J'ai appris avec mon père, monsieur. C'est le meilleur cocher de Londres. Oh, papa, je suis sûre qu'il sait très bien conduire. Regarde, il l'a bien mené jusqu'ici. Oh, merci, mademoiselle. C'est vrai, je suis un bon cocher. Mademoiselle Mangin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis entièrement d'accord avec ma fille pour engager ce jeune garçon comme cocher. Mais non, je vous en prie, c'est vous qui décidez. J'admire la bonté de mademoiselle, votre fille. Merci, papa. Mademoiselle Mangin, je vous remercie. Vous avez comblé tous mes espoirs pour satisfaire aux désirs de ma fille en lui préparant une vie agréable. Je vais pouvoir repartir demain, l'esprit tranquille. Oh, je suis content. On va pouvoir rester ensemble. Alors, ma petite Sarah, j'espère que tu vas te plaire dans cette école. Oui, papa. Oui, je crois que je vais me plaire. J'ai décidé de très bien travailler pour que tu sois content et fier de moi. Quand je rentrerai aux Ânes pour toujours, je serai une maîtresse de maison parfaite comme l'était maman. Merci, ma petite fille chérie. Je suis très heureux de t'entendre parler ainsi. Tu me fais vraiment très plaisir. Je te connais, tu m'as déjà prouvé que tu étais une petite fille très forte. Tu vas continuer à te montrer très courageuse. Oui, papa, je te le promets. Pour ne pas attrister mon papa qui doit repartir demain pour les Ânes, je fais tout pour contenir mon chagrin. Il ne nous reste plus qu'une journée à mon papa et à moi pour être ensemble.